Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Qui est là? Alors, levez les mains. Y a pas grand monde. Oui. Bon, faut donner le temps. Monsieur Stone a disparu. Ou c'est mon chat qui bug? Je sais C'est pas. pareil. Je sais pas. Ah oui, Disparu. Stone a disparu. Bizarre. Bizarre, vous avez dit Bizarre, bizarre comme bizarre, tout bizarre, bizarre. Je vais retweeter au cas où, parce que voilà. Il est où mon tweet, en fait. Hitbox, voilà. Alors. Ça commence. Tweeter. Peut pas faire plus simple. Mais il est là, Stone, ou quoi, là? Monsieur Stone, on ne te voit plus sur le chat, si tu es là. Jim, Oui, bonsoir. tu as eu d'autres dessins pendant la semaine ou pas? Non. Non, en fait, je ne sais pas, je vais regarder, mais je crois que Mister Stone est là. Il est là. Il est là. Il est là. il est là, il est présent. Bizarre. Le chat, il dit que non. Ah, maintenant, il dit que oui. Donc, les dessins de Grow Home, où il y a eu plein de mails de Twitter. Ah. Aïe, Monsieur Stone fait plusieurs trucs à la fois, donc, c'est pour ça. Je supprime des conneries. Paf. Kickstarter, Stermizer has been machin bidule, voilà. De la pub, on s'en fout. Mais sinon, bah non, j'ai pas de dessin. Ah. Voilà. Tant pis. Mais tant Mais pis. pas. Voilà. Comme ça, je le sais. J'ai commencé à modifier le mien, mais Alors, do in a game together. Paf. Paf. Voilà. Ça y est, tout il est configuré là. On va pouvoir y aller. Et bizarrement, il n'y a personne ce soir. bah, c'est bizarre. Que se passe-t-il? Sont tous au ski. C'est peut-être ça. Non, mais c'est un peu con si on fait un live sur un joli jeu comme ça et qu'il n'y a personne et qu'il n'y a pas de dessin. Ça dépend, c'est quoi le jeu? Après, je serais triste. Bah, c'est Botanicula, en fait. Connais-tu? Allô? Absolument pas. Tu connais pas. Oh! Tu connais pas Botanicula? Tu es banni. Voilà, c'est bon, je ne te parle plus. Je connais Botanique, je connais Dracula. C'est un mix des deux, en fait. Tu vois, ça parle de plantes vampires, hein. T'imagines? Ah. Qui veut rien dire. Et le mec, il est le fatigué. Il a du dessin à faire. Il n'a pas le temps. Et qui met Il y a dans des le mecs. chat? J'ai déjà un dessin à faire, j'aurais pas le temps, je crevais, bisous. Voilà, bah bisous. Ce fut court mais intense. Des bisous, les mecs. Ouais, alors il paraît que on est 5. Pareil. J'ai fermé le dashboard, alors je sais pas. Alors. Si, on est cinq. Il y a Drake Dragoon. Il a pas dit bonjour. Attention, hein, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Et voilà, donc c'est la fin du live. Merci d'être venu et à la prochaine. Bon. Que fais-je? Je démarre ou on attend peut-être Niou? Non, elle a dit qu'elle arrive quand? Après manger, C'est très classique.
Elle a dit qu'elle serait en retard, mais elle a pas précisé d'heure. Oh là là. Mais je pense qu'elle ne tarderait pas. Bon, sinon, j'ai pas précisé, hein, mais au micro, on a Archibald et Riol. Voilà, voilà, voilà. Je devrais mettre de la musique en intro, en fait, mais j'y pense jamais. C'est un peu plat. Pas sinon Archie peut chanter. Non. On y croit. Je sais pas chanter. On va chercher Error pour faire la chanson. Bonsoir Atsuko. Bonsoir Atsuko. Ah, bonsoir Atsuko. Je viens d'entendre ma voix chez l'un de vous deux. J'ai rien compris. Je viens d'entendre ma voix chez l'un de vous deux. Il y a un écho, quoi. Il y a un écho. Ah, mon micro, il fait caca. Non, je trouve pas. Donc c'est peut-être... Est-ce que t'as coupé le son du live? Non, c'est juste mon micro. Ariol. Et... Non, Ariol. Oui, merci. Ah, bah, ah, c'était ça. C'est ça. Ah, c'était vraiment ça. D'accord. Non, j'ai coupé le son. J'ai jamais le son du live, en fait. Ah bon. Bon, bref. Non, mais mon micro, il faisait un écho, sinon un faible écho, apparemment. Bon. Ça va se dire comment tu voulais, hein. On démarre sans ni où. On dit tant pis. Oui. Hein, bah oui, tant pis. Ah bah tant pis. Bon bah voilà. Bah j'arrête le live alors. Bon bah salut, c'était sympa, merci. Bye. Attention. Voilà. Donc ça c'est l'écran de démarrage d'un certain jeu. Que je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous étiez là même. Tout à fait. Donc attention. Baisse. Et je vais baisser le son. Voilà. Bon, ça va sur Mumble ou je le baisse encore le son? Ça va. Non, c'est bon. Ok. Donc, Botanicula. Un jeu qu'il est beau, qu'il est joli. Que j'avais déjà fait en drawing game avec Nioh à une certaine époque. Tout à fait. Si vous avez raté ça... Bah tant pis. C'est dommage. Alors, question. Qui connaît déjà le jeu, qui connaît pas? Moi, connais. Un peu. Enfin, je m'en souviens un peu. Monsieur Stone connaît déjà, peut-être? Pas. Peut-être, je pense. Je suis pas sûr. Ah, il connaît pas. Ouais, il me semblait bien. Oh. J'ai peut-être toujours le dessin de Nioh, parce que il m'a envoyé très peu de ses dessins, le cochon, hein. mais j'en ai quelques-uns en qualité moisie, parce que c'est ce qu'il mettait sur son site qui a disparu et qui a été racheté par des Japonais. Je croyais que c'était des Coréens. Oui, peu importe. J'ai perdu le truc. Nioh, Drawing Game, Botanicula. Ouais, il me semblait bien que j'avais... J'ai un seul dessin de Botanicula. Peut-être qu'il en avait fait d'autres, je crois. Oui, non, il en avait fait d'autres. Ah oui, faudra regarder sur sa page Facebook. Ils sont peut-être. J'ai qu'un seul truc à vous montrer. Ça, c'était un dessin de Nioh. Paf. Voilà. Il avait très bien fait son truc. Oh, c'est moche. Non, je rigole. Ah oui, je m'en souviens. Voilà, mais il m'a envoyé aucun de ses dessins des drawing games. Ah, mal. Et pas beau. Drake, non, là, tu te trompes avec Flower. Ouais. C'est Flower, on incarne une pétale qui vole. Bon allez, du coup on y va, c'est parti, attention, introduction, c'est parti. Thank you.
téléchargement. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. Et Niu est arrivé. Bonsoir Niu. Va-t-elle venir sur Mimbulu? Niu. Putain, j'ai du mal. Niu, viens-tu sur Mimbulu? Est-ce que ta connexion le permet? Je suis en retard. Bonsoir. Bon, Jimap a pas commencé le jeu, donc c'est... Alors, Niu, t'as dû remarquer que c'est Botanique, là. Je connais pas. Ah, tu connais pas. Bon, alors t'as raté l'intro. L'intro, qu'est-ce qui se passe? Il y a une graine qui tombe dans la terre et qui fait pousser un arbre. Je sais pas, on a rien raté d'autre, non? Non. Bref. Un jeu qui est beau, qui est joli. Je vois ça. Ah, j'ai cru que je pouvais cliquer sur quelque chose dans les étoiles, j'ai fumé. Donc voilà, on va pouvoir admirer toute la beauté de la nature. Ah oui, j'allais dire, la plupart des chansons, des musiques, sont chantées à la bouche. C'est un peu particulier, mais bon, c'est rigolo. Ah bon, oui, hein. Bref. Là, ça veut rien dire, mais c'est rigolo. What the... Quoi? C'est magnifique. Et voilà nos cinq compagnons. Et qu'est-ce donc? Cinq compagnons? Des espèces de graines, une branche... Un champignon, enfin, des champignons. C'est un peu spécial. Non, c'est voilà. une graine volante. Bah, c'est là, c'est là qu'on s'amuse à voir qui tombe avec une sorte de petite aile. Donc voilà, là on doit chercher les plumes du gros. Non, trois plumes. Les plumes du gros truc qui a tombé. Voilà. Alors faut pas chercher une espèce de logique. Ouais, il n'y a pas de logique. Tout ce qui se passe, hein, parce que, sinon on va avoir du mal. Oui, donc. Un jeu qui ne se prend absolument pas au sérieux. Ça, c'est cool. Alors, on peut cliquer sur beaucoup de choses qui ne servent à rien. Parce que, pourquoi pas. Ça fait une animation. Ça me fait penser à Pouce Pouce subitement. Marine Malice, etc. C'est un peu le même délire. Ça ne sert absolument rien. Ça ne sert absolument rien. D'accord. Et j'ai gagné un succès. Ça ne se voit pas, mais j'ai gagné un succès. Parce que j'ai découvert un truc... toutes les créatures qu'on rencontre vont être stockées dans une page de données en haut à gauche. C'est même pas une base de données, il n'y a pas de texte, c'est juste pour les regarder.
Donc, alors, on va chercher ces... Alors, là, je ne sais plus... que fais-je ? Ça passe rien. Est-ce que c'est pour plus tard ? Oh, oh my god ! Et voilà. Musique ! Ah ouais ! J'ai encore un succès. Alors les succès s'affichent pas dans le jeu, mais sur Windows, c'est un peu bizarre. Bonsoir Cassius. Cassius. Bonsoir. Bonsoir Cassius. Oh la vache. Alors là, qui est-ce que... Qui dois-je utiliser? Je ne sais plus. Alors on va tout essayer. Oula, vous pouvez dessiner n'importe quel écran du jeu, hein, ça marche. Ou quelque chose en rapport avec le jeu. Ça peut être aussi un montage d'images, parce que ça, on le rappelle pas, mais... Un photomontage est accepté aussi. Si vous voulez en faire, bien sûr. Ah bah voilà. Mais lol. Donc voilà, hein, toutes les créatures, on revoit tout ici. Eh bien. Bon, il n'y a rien à faire ici, c'était juste pour ajouter ça à la base de données, du coup, c'était useless. Alors, je suis en train d'encombrer mon clavier, donc bientôt je n'aurai plus accès à ma touche de push to talk. Yolo. Rien de spécial ici. Alors je sais plus du tout combien de temps on met pour finir le jeu. Ça va être joyeux. Là c'est celui-là, je... Non. Oui, je crois que c'est celui-là. Putain, on dirait des chiens de garde, les machins noirs. Ça, on voit ce qui se passe avec les autres. Bon, allez, on avance. Bref. LSD. Je vais faire des cauchemars cette nuit.
Oh putain! Et voilà, donc je peux double-cliquer pour aller plus vite. Coucou. Bon, par contre, je vais changer sérieusement de lumière, je vais changer de lumière 2 minutes. Donc voilà, il y a une bébête noire qui absorbe l'énergie des feuilles. Voilà, c'est un peu spécial. Qui l'évite de leur contenu. What? Ça ne sert pas à grand chose. En bas à gauche. Oh. C'est tellement pas sérieux. Donc j'ai la carte des lieux. C'est un peu spécial comme carte, hein, mais bon. Très particulier. Bon, bah voilà. Bon alors, qui va nous dessiner quelque chose? J'aimerais que je les retrouve maintenant. Pas moi. Alors moi, je sais pas si je dessine ce soir, mais peut-être quelque chose pour la semaine prochaine. Oui, parce qu'on vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de faire un dessin ce soir. Vous pouvez... Vous avez toute la semaine. Voilà. Mais si vous envoyez un truc avant minuit, on regarde. Voilà, on le montrera à la fin du live. Vous envoyez même si c'est pas fini. Pas aussi. Alors je dois trouver 5 clés, j'en ai déjà une. Bref. Alors Mako est littéralement en train de décéder, hein, donc... Il semblait bien. J'ai juste à rester cliqué en fait. Oh là là. Allez. Voilà. Oh.
Ce truc parle bizarrement. Ok. Alors donc, il y a des graines, elles sont tombées des étoiles, et ça a fait des arbres lumineux. Voilà. Voilà l'histoire, c'est magnifique. Ah, il boxe quand on me pose sur le live pour un truc qui met des graines noires, merde. Il boxe, t'es chiant. Ouais, moi aussi. Je sais pas ce qui se passe avec Box. Des fois, j'aurais moi, bien voulu avoir le truc, garder le truc sans faire de screen, quoi. Bah, tu fais un screen. Ouais, il y aura YouTube, mais bon. Alors. Mais c'est horrible. Mais lol. Ouais, on dirait des espèces de poupées russes. Et alors, qui va dessiner j'ai pas trop eu de réponse sur le chat. Hatsune n'a pas commencé. Il y a peut-être pas eu trop de réponse parce qu'il y en a qui dessinaient déjà. Ok. Un peu oublié, hein, franchement. Bon, bah voilà. Mon chat, il fonctionne toujours ou quoi? Attends, c'est quoi le dernier message? Bon. Ça a l'air d'aller. Ouais, non, ça marche. Alors. Alors, les objets mystères comme ça me perturbe. Je sais pas ce que c'est. Ah, bonsoir Choka. Bon, je ne sais pas ce que je fais. Bonjour Choka. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Bonsoir Choka.
Là, il faut toutes les clés. Il m'en manque deux. Ah, il y en a une là. Alors ça, je me rappelle qu'il faut utiliser la branche et faire un peu de nawak avec les extensions là. Ah voilà. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Vous avez jamais entendu des musiques aussi géniales. Et si je me rappelle, ils sont que deux à les faire. Il y a un truc de victoire aussi génial. Je ne sais plus. Oh. Des gens comme la plume là. Je crois qu'il n'y a rien de spécial à faire ici. Paf. Ça doit être pareil ici. Combien de clés hein, j'en ai 4. Hein, ouais. Bon. Du coup, il me manque une clé, c'est ça? Je me rappelle plus, moi, où ça se trouve. Oh, oh, oh. Mesdames et messieurs, ce soir, il y a eu quelque chose de très grave. Des Oreos se sont suicidés. What? Oh mon dieu. J'ai mes Oreos qui ont voulu se suicider. Putain.
c'est très particulier. Hein. Oui, c'était extrêmement particulier. C'est trop génial. Et lol. Les gens qui ont fait ce jeu devaient être sous drogue. Je pense aussi. Je sais vraiment pas ce qu'ils ont pris pour ce jeu, mais ça a l'air d'être de la bonne. Oh là là, c'est puissant. Ouais. Et c'est le chapitre numéro 2. Mais c'est horrible. Le mode fufu des personnages. On a la map du coup. Ouais. Non, j'ai pas eu le temps de... Je regardais autre chose. D'accord. C'était une grosse araignée. Enfin, araignée, elles ont deux paires de pattes. C'est pas des araignées techniquement. Ça se rapproche. Ouais. Oh là, c'est le
Et comment je redescends? Mais j'avais pas fini, moi. Bon, tant pis. Ah, mais il se répète, du coup. J'ai pas tout visité avant, là, ça m'énerve. Le bateau aurait dû rater. Ah mais totalement, putain. Alors, rajoute pas des gymnas aux patients parce que c'est chiant. Bon, j'ai voulu tester un truc, mais... Alors... Bref. Tu vas m'avoir dans ta gueule, c'est déjà pas... Il se passe des choses dans les... Dans les branches, là. Il y a des poissons qui volent, je viens seulement de réaliser. C'est magnifique. Des poissons volants. Parfait. Qu'est-ce que... S'affiche pas, mais bon. Est-ce qu'on n'a pas fini? Sérieusement, je sais pas ce qu'ils ont pris quand ils ont fait ce jeu, mais c'est génial. Ah là là, tiens, j'ai trouvé ton verre.
Non, faut lui donner. Mais lol. Là, y a rien à faire. Il y a peut-être rien de spécial à faire. Bon. Je suis pas allé au-dessus. C'est fait. Ah oui, donc, d'accord. Oh mon dieu. Où ? Qu'est-ce que je dois faire ? Merde, j'ai fermé le jeu. GG. Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas. Alors. Ça, je me rappelle. Oh. Oh. Spécial, il faut remplir le truc là. Ah. Cette mouche est bourrée. Ah mon dieu, mon dieu.
Alors on est tous absorbés par le jeu et on parle plus, c'est ça, non? Oui, je crois. Il y a des scènes... Bon, c'est sort des petits dessins à la con, mais bon. Les codes. Oh non, mais... Oh le nouille au brûle. Oh non, mais... Oh non, mais... Le retour du vieux. Alors, il était où celui qui pleurait c'était... Par là-bas... Ah bah c'était ici. Donc il va falloir trouver 14 choses. Bref. On dirait des dodos. On dirait des petits poulets sans plumes. Alors. Je me souviens plus comment on va à gauche. Je sais plus. Ah, je peux pas partir. Ah merde. Genre, je suis bloqué. Ah non, non, c'est bon. Yeah. C'est bon. Et quoi au-dessus? D'accord. Ah.
Bon alors le petit labyrinthe, je sais plus vraiment où il faut aller, mais bon. On va tout tester, hein. Bonsoir Castiac. Bonsoir Castiac. Je sais bah, botanique là. Voilà. C'est en rapport avec ce petit jeu là. La nature, tout ça, tout ça. Et on a retrouvé le notre cinquième compagnon. Celui qui porte cette espèce de boule lumineuse. Tout à fait. La graine de lumière magique. Donc ça servit à quoi ce qu'on a fait en fait? Bonsoir, nous sommes des fourmis dans une fourmilière. Nous sommes des fourmis. Ah, j'ai récupéré, des graines dans une fourmilière. J'ai récupéré un des bidules du coup. Voilà, ça n'a pas servi à rien. Bon, et là faut visiter toutes les maisons, ça va durer un peu longtemps. Oui, je sais plus du tout ce qu'il fallait faire, mais je m'en rappelle. Il fallait faire quoi? Bon, en fait, tu reconnais ça. La drogue, hein, voilà. Je ne sais plus exactement. Oui, il y avait un canard là. Eh oui, imiter un canard. Je suppose qu'il faut éviter les trucs noirs là. Oh. Ah, on a perdu Nio. Et je suis revenu, ma connexion elle est là. Loup. Faire quoi déjà? Ça se trouve c'était avec la branche qu'il fallait faire un truc et du coup j'ai raté. Pourquoi je fais ça? Parce que... Ah, il y a un poulet. Voilà.
Et voilà, c'est bon. Alors, ensuite... une pièce. Ah, il y a un poulet au-dessus. Là, il faudra revenir avec d'autres pièces, je crois. Ouais, je crois aussi. Ah, c'est bon, j'en ai. Allez. Passe. Il y a un morpion ici, n'importe quoi. Ok. Un poulet. Je me souviens plus s'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ça alors. Je sais pas. Ah mon dieu, je ne sais plus. Je ne sais plus pour l'instant qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine. Peut-être avec la louche, non? Quelle louche? Ah oui. Une... je sais pas, la faire tomber ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Bon, bah on verra plus tard. Et puis l'œuf, sinon, j'en fais quoi? Bon, je sais pas. Alors, bref. Poulet. D'accord. Mais. Ah. Voilà. D'accord. Ok, alors... paf. Oh. Mais... bon bah tant pis, je croyais. J'ai vu une bestiole noire. Voilà. Bref, ça ne sert à rien. Une pièce. Échange. Je peux faire attention. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, bon, alors, ensuite.
Je me demande comment ces personnes pouvaient planquer autant de bordel dans un si petit espace. Je sais pas. Ça, c'est pour toi ou pas? Non. Non. Bon, je sais pas. Alors, faut recliquer. On verra plus tard. Là, c'était quoi? Non, c'est fait. Non, ça c'est déjà fait. Il faut encore une pièce. Ça m'en fout, ok. Ça donne rien de venir ici, du coup. D'accord, cette noisette folle voulait juste un compagnon de jeu. C'est bizarre. Mais bah, pourquoi je fais ? Bah, s'il y a quelque chose à faire ici, je ne sais pas. Creepy quand même. Mais. Un peu. Bon là j'ai eu le temps de le choper. Non. Bonsoir. Je crois qu'on a tout fait là. Alors, paf. On est où? On est là. Encore un poulet. En même temps, on a besoin de ça, des poulets. What? Bref. Alors, je ne sais plus du tout qui il faut choisir. Peut-être, je crois que c'est le champignon. Ouais, c'est, je crois que c'est le champignon.
Hop. Et... Hop, plus là. Hop. Oh, j'ai gagné. Limite quand même. Dernière fois, non? Ce truc est mauvais perdant. Encore une fois? Oui. Alors, paf. Paf. Que c'est pas fini, voilà. Oh, une pièce. Alors, mais lol. Il y a beaucoup de pingouins, hein. D'accord. 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 Ah, pourquoi ça marche pas? Voilà. Pourquoi pas? Bref. Alors, on était là. Par contre, le pingouin volant, Ah, pourquoi pas? Oh mon dieu, c'est pas censé ne pas voler, ce machin. J'aime très ça, à chaque fois, je me souviens plus. Là, j'ai créé un début de grenouille, mais avec des... têtes de poulet. Alors... Si je fais le blanc en bas, j'ai la tête du poulet. Je fais le marron en bas, j'ai le corps du poulet. Si je fais... En haut. En haut. Et on a raté. Voilà, on a un poulet qui se traîne comme une limace. Tant pis. Et on a dit le blanc en bas. Ah bon bah tant pis, je ne comprends pas ce jeu. Je ne comprends pas ce jeu. Là, on a la tête de l'escargot avec le corps de la grenouille. Voilà, tout va bien. Bon. Ah, j'ai la tête du poulet. Et j'ai un corps de grenouille. Tant pis. On va pas y arriver.
ça va être compliqué. Mon dieu. Bon, le blanc en bas, si j'ai, c'est bon. Alors, voilà, et si je fais au milieu, oui, c'est bon. J'ai un petit poulet. Ça, c'est fait. Ensuite. Il semblait que ça allait plus loin ici, c'est bizarre. Ah oui, voilà, il semblait bien. Les feux d'artifice à la bouche, c'est pas mal. Il y a rien d'autre. Ah, il me semblait bien. Alors je fais peut-être tout ça pour rien, hein, mais bon. Maman découvre des trucs. Tout à fait. Ah non, il fallait le faire. Non, c'est bon. Tout va bien. Bon, on va retester la cuisine, là. Non, toujours pas. Bon. On va remettre une pièce. Non, c'est pas ici. Voilà. Voilà. J'en étais où ? Là-dedans. Ça ne sert pas à grand chose tout ça. Il me semblait qu'il y avait quelque chose derrière un tableau, mais tant pis. Bonsoir. Non, je peux pas. Bonsoir, je ne fais que passer. Ah. Bah voilà. On est déjà allé là.
Bon, qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine, moi, monsieur ? Je comprends toujours pas. Faut peut-être leur piquer la lumière. Ah non, c'est pas dans cette cuisine-là. Je ne comprends pas. Il m'en manque 3 et je ne sais plus. J'ai un 9 qui ne me sert à rien. Faudrait pas le mettre dans le four de la cuisinière, non? Pour ces gamins, je sais pas. Quand même m'a manqué 2. Ah, il m'en manque toujours 2, hein. Qu'est-ce que je dois faire? Où sont les 2 derniers? Dans la cuisine, le doudou doit être en mode « Je surveille le truc ». Elle était où la cuisine, là, de... Enfin, le... Je sais plus. Les enfants, voilà. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas un poulet dans le four, il faut que tu le remplaces par un fruit ou une connerie comme ça. J'ai rien là sur moi. Je sais pas. J'aurais raté quelque chose. Peut-être un truc à faire avec un personnage. Là. Oh, il faut remplacer le poulet par quelque chose. Ça là, je peux cliquer dessus ou pas? Non, non, c'est pas. Oh. Je ne comprends tellement pas. Parce que je peux réveiller l'autre gars à droite, mais ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah voilà, semblait. Faut être assez rapide. Bon, mais il m'en manque quand même un. Le dernier est dans le four où il y a les gosses. Ah oui, mais j'ai rien à leur donner, moi. Je comprends pas. Je ne comprends pas, j'ai rien à ramasser ici. J'ai forcément raté un truc quelque part, mais... Et quoi donc? Oh, ça a changé ici. Bref, ça ne sert pas à grand chose.
Bonsoir. Bonsoir. C'est juste pour dire, vous avez réussi le truc de le poulet de la cuisine? Pas encore. Je crois qu'en fait... je crois, hein, c'est complètement une hypothèse, c'est pas du spoil ou quoi, c'est juste... je crois qu'il faut juste déranger le gros avec le poivre. Non, ça, on l'a fait. Ah, celui-là, c'est fini. Non, c'est juste le poulet qui est dans le four, maintenant. Ah, le poulet qui est dans le four, je crois que dans la cuisine, il y a un bol à prendre. Je suis pas sûr. C'est dans la grosse cuisine où il y avait le gros avec la noisette. Enfin, avec le... Dans la grosse cuisine avec le poivre. Je crois que c'est là-bas où il faut prendre un bol pour... je suis pas sûr, après. Il n'y a rien à prendre. Bah, je sais pas, moi. C'est des hypothèses. Par contre, ce jeu, il inspire. C'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi à prendre quelque chose, c'est bon. Ah bah, je suis désolé. C'est bon. Voilà pour récupérer le dernier poulet. Bah, je t'avais bien dit que c'était dans la cuisine. Par contre, je sais pas du tout quoi faire comme dessin sur ce jeu. Ça m'inspire pas du tout. Il y avait de la matière au début du jeu, hein. Oui. Ouais, mais bon, au début du jeu, j'étais pas là et j'ai déjà oublié le début du jeu. Allez, pourquoi je l'ai fait. Comment il s'appelle déjà le jeu? Botanicula. Merci. Ah, il y en a qui s'accrochent. C'est quel chapitre là, donc? C'est le chapitre 4 maintenant, c'est ça, non? Oui, peut-être, j'ai pas compté. J'ai pas compté non plus. C'est écrit dans les succès, en fait. Alors, niveau 1 terminé, niveau 2 terminé, 3 terminé, voilà, donc... Non, niveau 4 terminé, voilà. Non, c'est le niveau 5. D'accord. Eh ben, déjà. Il y en a, il y a 6 niveaux. Allez. Alors. Bon, ce chapitre est un peu compliqué. Ouais, bien, voir. Ça sert. Bref, alors. Ah oui, donc lui, il veut son casque. Lui, il veut son casque. Donc on viendra.
Ok. Ah, vient de dessus. Bon alors c'est le moment un peu labyrinthe, je ne sais plus du tout. Où il faut aller. Où faut aller. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouah, j'ai eu le temps de ramasser le truc. Bref. Donc, ça c'est fait. Champignon. Je sais pas. Bon, voilà. Alors. Alors, je crois pas qu'il y ait quelque chose d'autre. Hein. On vient du dessus, en principe. Bon.
qu'est-ce qu'on a trouvé alors? Bah, l'inventaire. Voilà. Donc. Ok. C'est pas très utile. Ouais. Il manque un objet. Ouais, du coup, ça se répète. Au revoir. Alors. Il n'y a pas d'erreur possible, donc là en haut, non, on s'est en bas. Oh lol. Ensuite, en bas c'est bien, et là en bas c'est pas bon. Alors je vais en bas au milieu, ensuite en bas, puis on teste au milieu. Ça va. Je sais même plus si c'était en haut, non? Voilà. Ok, ça c'est fait. Ok. Bref, alors. Si on reclique dessus, c'est pareil. Thank you.
sert à rien ce que je fais. Je pense que ça ne sert à rien. Ça, c'était le robot de Machinarium. Voilà. C'était Pac-Man. Ensuite. Voilà. Encore 3 comme ça. Ah tiens, mais j'ai récupéré ce truc là, il fallait aller où? Ah tiens, je suis revenu au début. La 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 la
cette musique. Cette musique. J'ai un ballon. Est-ce qu'il y a un endroit que j'ai pas visité? J'ai tout visité en fait. Ballon, à quoi il me sert? Est-ce que l'un de vous veut un ballon? Voilà. Ensuite, ça se trouvait où pour cet objet, hélas. On va à gauche. À droite. Oh, je peux aller ici, mais c'est pas ça alors. Voilà, donc alors c'est un peu long ici. Ah oui, il y avait un truc à faire ici. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Là en fait. Ah oui. Voilà. Il me manque le dernier bidule bleu. J'avais oublié ça. Allez, allez, vas-y, allez. Ah, je le dépasse. Allez, vas-y. C'est en premier là, non? Non? Oh, comment il triche là, vas-y. Comment il triche? Comment il triche sur le départ et tout?
Et il triche encore. Mais je te vois que tu triches là. Salaud. Ah oh, mais lol. Ça c'est bon, voilà. Bon. Ça c'est bon. C'est tout de même une cacahuète géante dans la mer. Hein ? C'est tout de même une cacahuète géante dans la mer. Bah oui, hein. Déconne pas. Bitch, please. Donc, j'ai ton casque. Ok, donc on la refait. Pourquoi pas? On n'est plus à sa paix, hein. Il est où le bidule là? Est-ce que je vais, bordel? C'est où? Voilà. Donc. Un dernier, c'était je ne sais plus, c'était à gauche, en haut, voilà. Donc heureux là, c'est un peu particulier. Je ressaute là-dessus, je reviens au début, peut-être. Non, même pas. Ok. Je me souviens de cette séquence, un petit peu chiant des fois. Pardon. Ok. Donc c'est pas ça. Alors. Ça ne m'aide pas du tout. Thank you.
sert à rien du tout. Voilà, donc. Ok, ça va encore durer longtemps. Alors. Avance, mon Dieu. On s'en va. Bon. Là. Pour revenir. Non. Attendez, je ne sais plus. Ah non, c'est bon, ok. En lieu. Alors. Ça se trouvait où, au final? C'était par là. Ouais. Bon alors. Genre, je descends, là, je vais à droite. Et ouais, c'est là. On est bientôt à la fin du jeu. Perdu 720 frames, j'avais pas vu, moi. Ah. Ça, c'est le dernier niveau. Donc là, ça ne sert à rien d'y aller. Ah oui, on peut y aller, ok. Coucou.
en haut, c'est fait. Il n'y a plus rien. Voilà. Alors là, je m'en souviens plus du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Ça, je sais même plus. Et hop. Gym là-haut, parce que je fais n'importe quoi. Non mais c'est le jeu, hein, c'est pas gym. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et peut-être qu'il faut même pas faire ça, il faut juste tomber. Non, je sais pas. Ça fait quoi si je tombe? Ok, je sais pas. Lol, d'accord, alors on recommence. D'accord. Voilà, là c'est plus clair. Voilà. Ok, bon, bah voilà. Ça c'était fait. Aller à gauche. Voilà. Alors là. Comment fallait faire exactement? Ah merde! Oh, je me suis... Oh, qu'est-ce qu'il faut faire?
comprends rien. Ah, peut-être que... Alors... Non. Oh putain. Je comprends rien. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas que t'attaches ceux-là qui sont en diagonale. Ah putain, mais j'ai essayé en plus. Pourquoi ça marchait pas? Enfin bref. Non. Alors, c'était un peu spécial ici. Le jeu est devenu vite creepy. Par rapport à tout à l'heure. Et ça sert à quoi? Oui, d'accord, ok, bon, alors. Donc, ça fait ça, ça fait rien du tout. Il manque toujours celui-là. Ah voilà. Qu'est-ce que je fais là? Passe rien. Mentir. Thank you.
Bon, et là, ça doit être la fin du jeu, non? Ouais, peut-être, je sais pas. Je me souviens plus ce qui se passe. Est-ce que c'est une cinématique ou j'ai quelque chose à faire? Je crois que c'est fini. Ouais. C'est fini. Voilà. What the fuck? C'est supposé être un jugé? Peut-être? Enfin, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'était bien. C'était sympa, ouais. J'ai jamais vu ce qui se passe quand on a toutes les créatures, toute la base de données là. Moi j'en rate. Bon alors alors les gens. Oui. Ouais, je paye. Est-ce que quelqu'un dessine quelque chose? Techniquement, je t'envoie mon dessin. Bon, déjà il y en a au moins. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont dessiné? Ou fait quelque chose? Je fais un peu de montage, mais c'est qui est nul. Bah, ça fait rien, ça fait déjà quelque chose quoi. Bah, le temps estimé de travail est de moins de 2 minutes quoi. Alors, Nio a envoyé quelque chose. Un truc jaune. Je tiens. La photo est très jaune. Alors que de base, c'est... le papier est censé être blanc. Eh ben, tu veux pas refaire la photo du coup? Non, j'ai vraiment un éclairage à chier.
Alors, Botanicula. Botanicula, voilà. Et ça, c'est Niu. Paf. Ensuite, Castiac. Alors, on a un ninja, hein. Pure néotix. Ouais. Si tu veux causer sur le chat, te gêne pas. Oui, voilà, je viens de stocker la liste de spectateurs. Alors, on est censé être 8. Mm-hmm. Et le temps que mon truc arrête de bugger, voilà. Alors, Et de tous les 8, il n'y en a qu'un qui cause pas. C'est pure néotix. Vous causez, hein. On va croquer personne. Ah là, oui, il n'y a pas de problème. En ayant dit, on fait que des câlins. Je pense que Nino, elle va nous battre après. Quoi? Mais non. Je suis un chat, je vaut mieux les griffer. C'est la vérité. Je vaut mieux les griffer encore à la rigueur. Tu vas nous griffer. Je ne griffe pas, j'ai pas d'ongles. Comment tu fais pour pas avoir d'ongles? Non, sérieux. Quoi? Je suis censé prendre le fichier de quelqu'un là ou pas? Aucune idée. Aucune idée. Bah, c'est la question. Bah, si personne ne dit rien, bah, plus ou moins. Putain, il y aura eu que nous deux. Le retour de Namek. Ouais. Et je le concours, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde vos choses. Regardez les dessins, je sais pas. Alors. Il est où, c'est où? Les deux machins. C'est là. Oh putain, on a vraiment peu de temps. Alors, bref, donc, Castiac, ou alors, attends, deux secondes, hein, j'arrive. Mon truc, c'est très pas beaucoup. Mais le live, il a redémarré, en fait. Ah bon? Ah bon? Attends, je vérifie. Ouais, le live, il a redémarré à un moment. Ok, bah, je vois pas. Bah, je vais pas faire attention là. Pourquoi pas? Du coup, je vérifie un petit truc, mais Explique. Ouais, non, il y a qu'un seul fichier, ça va. Bon. Alors, Niu, ton fichier. Là, genre, je le passe en noir et blanc. Paf, niveau de gris. Voilà, ça fait déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Par contre, ton fichier est vachement grand. Putain, tu me fais planter mon logiciel. Je suis désolé, c'est mon appareil photo. Non, mais me fais pas des PNG archi grands comme ça. Des gros fichiers comme ça, c'est des JPEG, pas des PNG. Alors. T'aurais pu changer la couleur sur Photoshop. Donc, ensuite. Je n'ai pas Photoshop. Ensuite. T'aurais pu demander à des professionnels, hein. Bon, après, pour un petit montant d'environ 15 euros. Le contraste. Meurs. Ouais, le contraste. Amélioration du contraste. Voilà. Paf. Et là, ton dessin fait surface. Je laisse le truc en automatique, j'ai pas envie de me faire chier. Voilà. Je vais en faire un JPEG. De type JPEG. Mon logiciel qui fait des trucs bizarres. Voilà. JPEG. Ouais. Allez. Si je fais ça, il se passe quoi? Ouais, ça change pas grand chose. Donc. Paf. Niu. Oui, non, c'est ça. Un appareil photo qui fait chier le monde, j'adore. J'ai pas eu le temps d'aller piquer celui de ma mère pour avoir une photo potable. Tiens, bah vous savez quoi, je vais quand même vous montrer le fichier que j'ai reçu. Le machin. Alors, jaune, là. Un truc jaune, et ensuite ce que j'en ai fait. Donc, le dessin de Niu, il est ici, il est jaune. C'est même pas jaune, c'est orange, c'est spécial. Bon. C'est à cause de la lumière. Alors, attention, moi j'en ai fait ça. Paf. Voilà. Et c'est un peu mieux.
temps que ça s'affiche sur Hitbox. Voilà. Ah ouais, putain. Je vous jure, mon éclairage est vraiment con, hein. Voilà, ça, c'est le petit dessin de Nio. Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, c'est surtout ça. C'est joli. Juste que c'est... Non, sérieusement, c'est vraiment sans second degré, c'est pas mauvais. Par rapport au bien... Voilà, et attention... C'est ce qui résume le jeu. Oh, mais Gastirek, c'est une bonne idée, hein. Et voilà. Oh putain, là c'est une vraie araignée. Désolé pour les arachnophobes s'il y en a. Par contre ils sont... Je sais pas, mais en tout cas ça va. Ils sont censés être 5. T'as pas trouvé... Ouais, mais j'ai pas trouvé le truc là, que je sais pas ce que c'est. Mais c'est simple. C'est la graine volante là qu'on voit tout le temps. Ouais, mais moi j'ai pas trouvé ça sur Google l'image, j'ai pas retrouvé. Et c'est simple, moi je le trouve du premier coup, tu fais exprès. Ouais, mais je connaissais pas le nom, du coup je pouvais pas dire graine à la con. Mais j'ai écrit graine volante sur YouTube, sur Google. Mais je savais pas que c'était une graine volante, j'ai oublié. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est des graines de quoi? Des graines de je ne sais pas. Ce serait pas les machins qui tombent des chaînes et qu'on s'amuse à lancer contre des gamins? Mais oui. Les... Putain, mais à chaque fois que je trouve... Je sais qu'on a mis ça des hélicoptères, nous, de notre côté. Comment ça... C'est des graines de quoi, bordel? Je veux savoir. Eh mais... Mais personne sait ce que c'est, en fait. Bah... Je recherche aussi. Bah, je sais pas. Mais à chaque fois que je trouve l'image, une fois sur le site, t'as pas le nom. Je sais pas ce que c'est. Alors, je suis sur un site, le machin, c'est écrit. Graines volantes d'érable. Érable? Je sais pas, je suis sur un site, je regarde ce que c'est. Graines érable. C'est ça, c'est des graines d'érable. Voilà. Oui, bah... Comme si je savais ce que c'était. Bah, tu devrais savoir. Sinon, j'aurais mis... Je vous l'ai dit, temps de travail estimé, 2 minutes. Bon, je voulais une image de bonne qualité, mais à chaque fois, c'est moche. Mon Dieu. Ah, ça, c'est joli. C'est bien, là. Mais c'est bizarre. J'allais proposer une image quand tout à coup... Ouais, mais non. Ouais, bah je trouve pas mieux, hein. Alors voilà. Comme ça, tu vas voir. Il est où Xplit? Il est là. Alors attention. Attention. Voilà. Donc, ça ne se voit pas sur le live. Et voilà. Les fameuses graines que tu ne connais pas mais que tout le monde connaît. C'est ces fameux trucs qui tombent des arbres et que tu t'amuses à le lancer et que ça fait un hélicoptère. Enfin bref. Bon, sourire, Thérésie. Donc voilà, c'était... T'as raté tes dodos. C'était Botanicula, Thérésie, tu as raté un jeu génial. Un jeu what the fuck. Un jeu de la drogue. Oui, un jeu de la drogue. Voilà, des jeux comme ça. Mais. Pas trop chercher. Alors, que dit le chat en fait? Parce que, exactement, tout ça se fait. Tout ça. Ok. Donc, il reste 20 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on? Miaou. Que fait-on? Que fait-on? Déjà, on va quitter le jeu. Et le ninja continue à être silencieux. Eh non, mais sans déconner. Voilà, j'ai quitté le jeu. Et voilà. Bon.
J'ai de la publicité sur Steam, ah, voilà, c'est joli, c'est beau, voilà, voilà, paf. Bon les gens, je vais y aller. Ah bon? Le devoir m'appelle. Ok. Ah bon, le devoir de dormir. D'accord. Ok, bah bonne nuit, Castiel. Bonne nuit à tous. Bon, bah, on... Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée, ouais. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer? J'ai besoin d'écran de pause. Oh. The plan. Voulez-vous dessiner une mouche? Voulez-vous dessiner une mouche pendant les 20 dernières minutes? Allez, on va faire The Plan. Donc the plan. The il est où? Plan. Merde, je l'ai plus. Non. Attendez, ça arrive. Le jeu a disparu, donc attendez. Enlevé de... Non, il est toujours là. Il est toujours sur Steam. Alors, Steam a planté. Et voilà. Et non, c'est revenu. Comment on prend le jeu? Comme ça. Paf. Paf. Ah, alors... The plan. Alors pour démarrer le jeu, c'est un peu spécial. Enfin, pour capturer le jeu surtout, c'est très spécial. On va voir. On va voir. Attendez, hein. Parce qu'il veut absolument démarrer en plein écran. Donc là, il est en fenêtré. Et voilà, c'est bon, c'est magique. J'ai réussi. Heureusement que j'ai ce qu'il faut hein, pour bidouiller les fenêtres. Alors, pour capturer le jeu, il faut faire comme ça. Non, ça ne marche. Oui, ça marche, c'est bon. Voilà. Donc, il passe. Et le jeu est pas en... Ah, bordel. Pourquoi? Alors, bonsoir. Bon. Sur ce plan, vous incarnez une bouche. Au pire, tant pis. Pire, tant pis. Voilà. Attention. The Plan, si vous connaissez pas, c'est le meilleur jeu du monde. Thérésie, est-ce que tu es prête? Atsuko. Nemec. Enfin, Nemec, il y connaît déjà, je pense. À tous les gens. Est-ce que vous êtes prêts? Qui ne connaît pas le jeu? Qui? Oh mon dieu. Ne connaît pas The Plan? C'est une question très sérieuse. Vous allez vivre un moment intense. Il l'a fait une fois, oui. Préparez-vous. C'est intense. Votre vie va être chamboulée après ça. Là. Ouais. Après, je... Comment est le volume? D'ailleurs, je ne vais pas baisser le son. Je vais laisser le son à fond pour ce jeu. Atsuko a dû le voir. Thérésie, on a perdu Thérésie ou... Eh bien, nous sommes 7 apparemment. Hein. On a perdu les gens. Attends, je regarde le chat. Qu'est-ce que... Mais on Thérésie a toujours ses ninjas. Elle est partie, Thérésie. Ah. Ah, je boude alors. Là. Voilà, on boude. Non. Moi, j'ai elle est sur Mumble ou pas? Non. Oh. Elle a peut-être perdu Internet. Je sais pas. Elle a peut-être fermé l'onglet sans faire exprès. Et Drake Dragoon, il parle pas beaucoup. Ah bah non. Eh hey Drake, il faut que tu causes, mec. Sinon t'as ninja. L'autre ninja, là, il cause même pas, Laurent. Ah mon dieu. Il veut penser que j'ai toujours pas récupéré la carte de mon ordi. Putain. Faut pas que j'oublie mes cartes comme ça, moi. Oh, mais je voulais vous montrer la Thérésie, moi, ça aurait été rigolo. Mais tant pis. Bon. Bon, allez, Atsuko, attention. Attention, je ne vois pas le chat. Je vais décaler le chat. On va le mettre... comme ça. Non, c'est toujours masqué. Là, c'est mieux. Voilà.
Ça c'est bien. Bon, Atsuko, attention, c'est parti. Paf. C'est Papa qui se balade. Ah, du vent. Oh mon dieu. Ah, du vent. Mon dieu, du vent. Du vent, nous sommes perdus. Ah, des feuilles. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors, Atsu, est-ce que ça te dit quelque chose? Parce que Nioh, tu connais la fin du jeu, hein? Tu nous avais déjà fait une fois en entier, ouais. Voilà. Bon. Remarque, c'est pas difficile de le faire en entier. Oh, rien. Ah non. 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 Je vais pas mourir. T'en es sorti, les gens. On est en vrai. Ouais. D'une faille. Du vent. En lieu du vent, tout sous abri. En lieu, non. Voilà. Sinon, j'avais un jeu où on était, je crois, une fourmi volante. Pas très sûr. C'était en 3D. Puis on se baladait dans une pièce de la maison. Je sais plus du tout ce qu'il fallait faire. Faudrait que je retrouve ce jeu. Ça se trouve, il était bien. Ou alors, il était tout pourri. Je sais pas. Ça avait marqué. C'est comme moi qui ai retrouvé les enfants de la pluie en streaming de... Hier, j'étais là. Youhou! T'as revu les enfants de la pluie? Non, j'ai retrouvé le streaming des enfants de la pluie. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Il faut le voir, ce film. Je l'ai vu il y a quelque temps, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas revu. Il faut le voir et après tu joues à Metroid Other M. Je n'ai pas de console pour Metroid. Là, tu vas me dire c'est quoi le rapport. Oui, c'est quoi le rapport? Bah, je vous montrerai le rapport plus tard. Moi, je connais le rapport. Et je le dirai pas. Eriol est revenu. Oui. Oui, elle est de retour. Eriol. Oui. Eriol. Oui, coucou. Et tu connais The Plan? Yo. Le jeu. Allô. Oui, excuse-moi, j'avais pas coupé de l'air. Du coup, je tombe en bas. Tu connais le jeu ou pas? The Plan? Non, pas du tout. D'accord, bah tu vas voir, c'est la fin. La vie est vite, c'est la fin. Tu vas voir, c'est épique, et je ne baisserai pas le son. C'est tellement c'est énorme. Parce que c'est magnifique. Admirez. Donc voilà, au début on était une petite mouche qui se baladait dans la forêt et puis on monte de plus en plus. Là on arrive au-dessus des arbres. On va arriver de, je sais pas, dans les nuages, à savoir. Attention. Attention, attention, attention. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Les étoiles. La galaxie. L'espace. Waouh. La Voie lactée. C'est beau, c'est beau. Enfin ça c'est la nébuleuse à tête de cheval. Franchement, pour ce que c'est, ce jeu est quand même beau. Attention. Attention, attention. Voilà. C'était la fin.
Voilà. Alors, qu'en dites-vous? Ce jeu est quand même pas mal. Ouais. Ah là là là. Ah tiens, il se passe rien sur cette étoile. Et une sienne. Romeu. Oh putain, j'adore. Ariol, on a perdu Ariol? Non, je te vois. Ah voilà. Alors, que penses-tu de cette fin de jeu magnifique? C'est sympa. En tout cas, la musique est géniale. Mais moi, je m'attendais à un truc tellement énorme la première fois, tout ça pour juste une ampoule. Moi aussi, en fait, c'est tellement poétique, et là, tu vois le filament, l'ampoule, et tu te dis « Ah, ouais, d'accord. » C'était juste une mouche qui fonçait vers sa mort, certaine. Voilà. Une ampoule. C'était une mouche. Voir tout ce que les gens ont écrit à la fin. Le miaou, je peux vous assurer que c'est pas moi. Mais... Bon bah cette étoile là elle fait rien. Bon, enfin bref, bon. Voilà, attends, c'était... Non. Putain, sérieusement. Merde, le jeu il est reparti en plein écran. On voit toujours le jeu là, oui. Oui. Bien. Bon. Et il y a un secret. Mmh. Et le jeu a planté, tant pis. Vous ne saurez jamais. J'ai fait planter le jeu en activant le secret du jeu. Bon, c'est juste que ça remplace la mouche par Navi de Zelda Ocarina of Time. Voilà. Oh putain. Je sais un truc qui va faire une ampoule. Oh. Alors, curiosité, je n'ai rien reçu. Ah bah j'ai fermé Gmail en fait. Mais je crois que j'ai rien reçu. Tant pis. Bon bah les gens ont pas voulu dessiner quelque chose pour voter Nicolas. Pourtant, il y avait matière vu le degré de what the fuck du jeu. Non, vu le degré de drogue. Mais sinon, vous avez encore toute la semaine hein, pour trouver quelque chose. Bah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Même pour ce plan, si vous voulez, vous pouvez dessiner un petit truc sur ça. Vous pouvez même croiser les deux. Ah là. De toute façon, personne n'était obligé de dessiner. Hein. Voilà, c'est jamais une implication. Mais ça fait plaisir. Donc ça c'était un dessin de ça fait plaisir quand même de Nioh que voilà parce que j'avais fait un drawing game avec monsieur. Mais bon. Je sais qu'il y en avait fait un autre aussi en dessinant les cinq personnages. Je suis quasiment sûr. Mais bon. Il me donnait jamais ses dessins. Bref. Donc, voilà. Bon, bah, les gens. Voilà. Voilà, c'était le live. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je sais pas, y a rien de spécial à montrer en 5 minutes. On peut peut-être montrer des gifs à la con, comme la dernière fois. Ou l'avant-dernière fois, je sais plus. C'est le chat qui se prend la porte. Ah, ouais. Porte de la boulangerie. Oui. Bon, sinon, pour info, allez, c'est parti. Attention, pour info, paf. Donc, le jeu que je vous ai montré la semaine dernière, que je vous ai dit, ah putain, c'est trop génial. Voilà, donc c'est terminé. Et c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ah oui, ça marche. Star Mazer. T'as du mal à le dire. Hein. Oui, j'ai du mal à le dire. C'est Star juste... Mazer. Voilà. Star Mazer. Mais... Parce que j'essaye de pas le dire en anglais, c'est pour ça, avec un accent anglais. Star Mazer. Ouais, quand même, quasiment 200 000 dollars. Ouais, c'est dollars. C'est bon, on aura le jeu. Tu l'as refait 100 dollars ?
Bon. Non, c'est faux. Vas-y, t'aurais pu me les donner. Moi, moi aussi, je prends. J'ai jamais oublié que ça s'affichait, en fait. Bon. Bon, moi, t'as voulu bien contribuer, donc ça va. Non, c'est mais pas voilà, comme si t'avais donné début, un million de dollars. Au début, je me suis dit, bon, le jeu, non, je vais prendre jusqu'à la... Je veux la bande-son. Avec l'argent des abonnés. voilà. Voilà. Digital Soundtrack, je voulais la bande-son, du coup, j'ai mis 40, et puis après, j'ai craqué, j'ai dit, bon, vas-y, vas-y. Allez, je vais demander la boîte et le manuel. Hein. Il veut tout. Ben bon, j'ai évité d'aller plus loin. Que faut pas déconner. Parce que elle est complètement craquée. Là, mais il y en a quand même un qui a donné 10 000 dollars. Sérieux, Lee ? Il est où ? Quoi, 10 000 dollars ? Il est là. Il a donné 10 000 dollars, le monsieur. Je sais plus à quoi ça sert. Ah le oui. Mec, il a voulu tout donner, c'est bon. Attends. Oui, pour créer un nouveau personnage avec son propre vaisseau et tout ça, ses propres. Ah ouais, le mec, il a voulu complètement customiser tout. Bref. Voilà. Je vais faire une cagnotte comme ça pour m'acheter une console et un vrai PC. Bon. Je vous remontre le trailer du coup, tant qu'on y est ou pas? Bah oui, tant qu'on comme y est. Tu veux. Peut-être des gens qui n'ont pas vu hein, la dernière fois. On va savoir. Bah, je baisse le son cette fois-ci parce que c'était très fort la semaine dernière. Alors, voilà, donc un chemin. Et. Ouais, c'est pas seulement un chemin. C'est aussi un point and click. Voilà. Point and click, shmup, RPG, adventure. Et ça va être énorme. C'est magnifique. Moi je veux. J'ai acheté pour avoir, donc normal. Mais la console est vendue séparément. Voilà. Bon, c'est une fausse console. Bien sûr, oui. Qui rappelle la Super NES. Mais non, c'est... ou la NES. Je vérifie, mais c'est censé être le Turbo Graphics... Je vérifie. Non, pas vidéo. Turbo Graphics... je connais absolument pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, donc ouais, c'était à peu près la même chose. On insérait une cartouche à peu près de la même façon. D'accord, sur Google Images, tu tapes ça, tu tombes sur une espèce... sur un truc. Ok. D'accord, Google, tu mets des trucs bizarres. Non, mais c'est parce que ça prend aussi les dernières recherches qu'il a fait et tout. À mon avis, Jim, il doit pas faire des trucs très catholiques. Mais bien sûr. Ah oui, et puis du coup, c'est, je l'ai pas dit, c'est rempli de crossovers, plein de crossovers. Oui, tu avais commencé à en parler une fois sur Mumble, il y avait des crossovers sur tel ou tel personnage, Bash of Knight et tout. Notamment. Donc là, c'est Hyper Light Drifter, il y a Shovel Knight, Aegis, le truc à planter, voilà. Aegis Defenders, et ça, c'est un t-shirt, que je n'ai pas demandé. Alors, Hyper Light Drifter, je pourrais vous montrer le jeu d'ailleurs. Mais le jeu est pas fini, hein. j'ai juste accès à une toute petite démo. Je vous montrerai Hyper Light Drifter un jour ou l'autre. Shovel Knight, si vous connaissez pas, vous avez raté votre vie. Bon, bah je vais chercher une corde et un tabouret. Et Aegis Defender, c'est un espèce de tower defense, mais en jeu de plateforme, c'est un peu spécial. Et ça fait un peu penser à... Et il me semble que dans le bar aussi, Ghibli. On peut croiser plein de gens, genre crossover et tout, dans le bar. De quoi? Il me semble que dans le bar, on peut voir des gens genre en mode crossover, voilà, et tout. Enfin, il me semblait. Alors, il y a un crossover avec Read Only Memories, un autre point-and-click un peu spécial.
que je ne connais pas vraiment. Bon, ça c'est toute l'équipe de développement du jeu. Peut-être qu'ils seront peut-être pas dans le jeu. Pizza. Pizza ou ça, pizza. Il y avait écrit pizza ou. Ouais. En bref. Quand tu scrollais. Alors, on va faire comme ça pour retrouver les crossovers. Pilou. Donc, ah oui, il y a un crossover avec Galaxy Z, je ne connais pas, mais c'est aussi un shmup. Pilou. C'est quoi ça? Crossing Souls. Je ne sais pas. On a des dessins spéciaux. Ça, c'est un crossover avec une BD. Du coup, on a le personnage de la BD en question là. Une BD qui s'appelle. Fox Astronaut, voilà. qu'est-ce qu'on a d'autre? Paf. Ah, crossover avec Paradise Lost First Contact, j'ai aussi commandé, avec Hyper Light Drifter. Ça va être un Metroid-like. Même si ça se voit pas beaucoup pour l'instant. Je sais pas si on voit grand chose sur la vidéo. Miaou. Voilà un espèce de labo où ils étudient une plante bizarre, un peu vivante. Et la plante va s'échapper, ce qui va faire un bordel monstre. Voilà. Et nous, on joue la plante, en fait. Ah, ah. Sérieux, si. Oui. C'est intéressant, ça. Ouh. Et voilà, il va falloir être un peu fufu. J'ai parlé de Metroid, mais c'est pas vraiment Metroid. C'était juste par rapport au côté exploration. Voilà, il n'y a plus rien après ça. Du coup, Hyper Light Drifter, je vous ai même pas montré de vidéo. Nope. Parce que peut-être qu'il y en a une. Je me souviens plus. On fait durer un peu la fin du live, hein. Mais bah.
Et la musique d'Hyperlight Drifters, ce sera fait par le compositeur de Fez. Oui. C'est pour ça que je me suis dit, oh putain, ça va être trop énorme, et du coup, je l'ai commandé. Voilà. En tout cas, vu les extras, c'est super joli. Et j'ai joué au jeu, enfin la petite démo, et c'était vraiment pas mal. Mais il y a trop peu de contenu dans la démo, donc il faut voir la suite. En fait, dans la démo, tu peux juste te battre et explorer un peu les environs, et il n'y a pas vraiment grand chose de plus à faire. Wow, Wow Mop 2, wow, putain c'est beau. Wow. Et eux, ils demandaient seulement 27 000, ils ont eu 645 000. C'est beau, comme quoi. Et ils ont eu 24 000 backers. À quoi ressemble le Kickstarter déjà? Ouais, plein de choses. Ils ont failli atteindre les 1 million de dollars pour faire la version Super Nintendo. Mais non, ils l'ont pas eu. Du coup, ça se fera peut-être jamais. Bon, ça va, j'ai pas de Super Nintendo, alors. Bon, il y aurait eu des gens pour extraire la ROM et pour pouvoir y jouer sur émulateur. Ok, bon. Ça, c'est quoi? Ah oui, donc, alors, quoi d'autre? Donc, Aegis Defenders, on l'a dit... Ça, c'est un autre jeu en point and click que je ne connais pas. Detective Case. Et ce sera pas un crossover, ce sera seulement un caméo. Je te coupe deux secondes, Jim. Oui. Juste pour dire que je m'en vais, je suis trop crevé. D'accord. Là. Eh ben, bonne nuit. D'accord, bah bonne nuit. Bonne nuit à vous, bon dessin pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de les envoyer avant la semaine prochaine. Ça serait bien. Oui, voilà, les gens vont le bar, tu peux voir qui y a. Des bisous. Des bisous. Et lui, au revoir. Un crossover avec Orion Trail, mais je ne connais pas. J'avais dû regarder un petit peu d'ailleurs, et ça me semblait un peu particulier. Un espèce de jeu de gestion dans l'espace, c'était un peu bizarre. Shovel Knight, j'ai déjà dit. Alors, ils ont fait un live sur Indiana Jones and Fate of Atlantis. Bidou. Ça, c'est quoi? Bon, si vous voulez voir, je sais pas, ouais. Ouais, c'est l'équipe du jeu, tout ça. En principe. Je sais plus. Il y a des têtes que... Enfin, je connais seulement ce monsieur, du coup, là. Et lui, c'est le développeur. En principe, si je me gourre pas. Les autres, ça me dit rien du tout. C'est peut-être les musiciens. Donc Hyperlight Drifter. Quoi d'autre? Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Bon, ils n'ont pas eu assez pour sortir le jeu sur console. Du coup, il sera
l'instant que sur PC et avec tout ce qu'il faut pour faire les meilleures musiques du monde. Ah oui, crossover. Sur 3DS. Bah oui, mais bon. Crossover avec Children of Morta, qui me fait penser à Hyper Light Drifter du coup, parce que c'était un peu la même jouabilité. On peut voir la vidéo du coup si vous voulez. Bref, donc on y est. Non. Arrête de planter là, vas-y, il y a tout qui plante. Voilà. Plus rien qui marche. L'onglet, il est planté là. Attends. Est-ce qu'on peut voir la vidéo, s'il vous plaît? Ah, peut-être que ça plante à cause de... ils ont dû mettre 1 million de gifs, en fait, sur la page. Ils ont dû mettre plein de gifs animés. Oui, il y a un certain nombre de gifs. Mais je crois qu'il a fini de charger la page, là. C'est bon, allez, on y va. This is the Bergson's house. On the beautiful, magnificent outskirts of Mount Morta, the Bergsons have been living for generations. C'est joli. Born to be the guardians of the mountain. J'adore in peace musique. And harmony with nature and its gods. Donc, bon, je testerai au moins le jeu. Called Morta. Je sais pas si... Je sais pas, on verra. Was simple, and they were all happy. Until the night the corruption came. The dark corruption that brought terror and chaos to the mountain. Whoa. Black days lay ahead. But the family would stay together. And find the source of corruption. To stand against chaos and reveal the mysteries. To remain hopeful and bring back peace to their land. Your family and save your home. Voilà, voilà. Moi, je vais sûrement y jouer, de toute façon. Ce qui veut dire que je vais l'acheter. Alors. Je crois qu'il n'y a rien ça d'autre. Ça a l'air génial. C'est quoi ça? Attends, je regarde, c'est quoi ça? Oh mon dieu! C'est Archifar. D'accord. Je vois. C'est... D'accord. C'est. Je vois. D'accord. Pour la parallaxe. Enfin, bref. Ok. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. C'est bon. Donc, bon. Quelques petites scènes. Alors les shmups, ça va être très joyeux, parce que moi je joue pas à ça. Voilà. Ce genre de face, ça va être
drôle de devoir galérer en mode ah mais non je fais que non. Je sais pas, il paraît que c'est faisable. Je sais pas, on verra bien. Bref, faut avoir un bon timing parce qu'à ce que je vois, vos chéris. Oui, même pendant les phases de shmup, on pourra avoir des répliques à choisir comme dans un point and click. Papillou, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on pourra, comme dans Blade Runner, un autre point and click, sortir le pistolet à tout moment pour tirer sur les gens. Ouais. Putain. Ça, c'est un gif que j'ai vu quand je connaissais pas le jeu. C'est la première chose que j'ai vue du jeu. J'ai juste vu ce gif et je me suis dit, oh putain, c'est trop génial! Je veux. Voilà, donc c'est à cause de ce gif que je suis arrivé là-dessus. Putain, mais l'avion qui répond quand on le siffle, quoi, c'est génial. C'est pas un avion. C'est un vaisseau spatial. Le vaisseau, oui, pardon. C'est bon, ça me fait penser qu'il faut vraiment que je fasse des lives sur Metroid Prime. Parce que j'ai commencé nouveau. Et j'ai toujours pas continué. Parce que j'avais fait le premier Metroid Prime en entier. Tu l'avais fini, mais pas. Et on avait vaguement commencé Metroid Prime 2 et. Mais au final, on l'a pas fait. Les Metroid m'ont jamais vraiment intéressé. Est-ce que vous voyez une référence là? Non. Bonjour. Oh, hey. Bah non, tu les vois pas au fond? Day of the Tentacle. Ah. La tentacule verte et la tentacule violette. Il y a un bug avec les gifs, c'était pas comme ça avant, je comprends pas moi. Je sais pas si c'est eux qui ont changé leur fichier ou si c'est Chrome qui fait de la merde, je comprends pas. Non, ils ont dû changer leur fichier, ça veut rien dire sinon. Enfin, je sais pas, je ne comprends pas. Et il n'y a rien d'autre à voir. Allez hop. Et j'ai trouvé une espèce de secret sur Kickstarter. Cliquez là-dessus. Enfin, bref. Bon. Voilà, on a passé 20 minutes de plus. Juste hop. Juste pour le jeu. Voilà, c'est... Un futur jeu. Allez, ce coup-ci, je vous dis bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais couper le live, mais de toute façon, on reste sur Mumble. Hein. Parfait. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, vous avez une semaine pour peut-être dessiner des choses sur Botanicula et comment ça s'appelle The Plan. Voilà. Donc voilà. Bonne nuit, à la prochaine. Bonne nuit, à la prochaine. Bonne nuit. Et bonsoir. Soir. Soir.